dans le donjon, par là. Qu'est-ce que tu dis? T'as pas récupéré des murs du donjon? Des quoi? Des mobs? Les murs du donjon. Non, on regarde pas les murs, hein, vu la vitesse à laquelle on Il faut savoir que les murs attirent les mobs. Donc c'est pas des murs que tu veux pour ta déco, Woody. Sérieux? Ouais. Non, je te jure que c'est pas des murs que tu veux pour ta déco. Lingot d'argent, tac. Tu t'en sors, Bob? Putain, c'est plutôt balèze. Reste plus que... rien. J'ai trouvé un nouveau piège à fléchette. Enfin, j'ai la flemme de tout. Ah, je me suis avoir par un pic aérien. Tant pis. Météorite. Voilà, attends, je suis en train de dresser tout le bordel pour une deux secondes expédition. Non, non, plus seconde expédition du tout. On va sur les îles volantes, on a des clés maintenant, on les ouvre. J'ai ouvert celle qui était sur la droite. Par contre, je sais plus où sont les autres. Alors, celle de la gauche. Et j'ai quatre clés, moi, maintenant. Wildy, ça t'intéresse de looter du staff? Merci. Blazed Wild. J'ai une pièce d'or, tiens. Et j'ai du stuff, ça me sert à rien. Attends, je vais commencer à reposer des sous parce que ça nous avait bien servi, cette banque commune quand même. Tac. Tu vois, Woody, on va sur l'île à gauche, l'île volante. Attends, je suis en train de faire un truc, j'aimerais bien le finir. J'en prie, je t'attends. Tac. Grenade, dynamite, balle au earth pew. C'est bien bien, ça. Mais il manque une étoile filante et j'aurais ce que je voulais. Les os, je les mets dans quoi comme coffre? Putain, faut vraiment que je m'occupe là. Organique. Prochain objectif après le piège du donjon, faire la nouvelle banque de guilde là, parce que merde. Organique. Les os, non, organique, non, j'aurais pas dit ça. Ah si, pour le coup. C'est végétaux. Bah, non, c'est pas ça. What? Pièce de fléchette. Les bombes, je les garde sur moi, toujours très épique. Putain, j'aurais dû utiliser ça, voilà. Tac. Champignons. Tac. L'arc. H. Et tu me dis si les potions je les mets là, ça me fait. J'ai pas besoin de les mettre en raccourci. Météorite, voilà, c'est ça que je voulais faire. Si je mets les météorites. Tac. Voilà. 5 barres de météorites supplémentaires, les amis. C'est pas rien. Voilà. Donc 3 de météorites, ça c'est dans l'autre coffre de merde. Voilà. Les lentilles, je sais pas où les foutre. Les champignons, je sais que c'est dans le végétal. Quelque part par là. Là, voilà. Les étoiles, ça reste propriété de GL International Corp. Champignons, je pose ça là. Clesson, grenade, lentilles, je pose ça là. Je sais pas trop où foutre. Os, là aussi. Torche. Os, putain, j'ai 110 os en fait, 99 os plus 3, d'accord. Donc, si, il fallait combien d'os, Wildy? Aucune idée, mais il en faut plein, cela dit, je pense que... 40. 40, ah bah c'est bon, t'as large ce qu'il faut, hein, si tu veux le faire. Je sais même pas pourquoi, à quoi ça sert. Une armure d'os, non? C'est pas ça? Ce serait stable. On a combien? Il y en a 200, il y en a 100... Il y en a 102 dans le coffre, là. Ouais, mais j'aurais pas cette toile d'araignée. Des toiles d'araignée aussi. Là j'ai des potions, là j'ai des torches. Je vais manquer de torches pour la prochaine expédition. Bon, c'est pas grave. Les ai mis dans quel coffre? Je les ai mis là-dedans, là. Dans végétaux, les os. Gique. Ouais, je sais que c'est pas super logique. Je suis fatigué. Ah. Non, c'est absolument pas logique quand tu réfléchis. Okay. Putain, mais si la DDE savait qu'il y avait un tel appart de luxe sous son pont. Non, mais c'est avec quoi qu'il faut le forger, ce truc? Oh merde, oui, tu l'as trouvé? Je l'ai, j'ai de quoi la forger, il fallait 10 étoiles, c'était tout ce qui manquait. Le pistoplaster de mai. Allez, viens là, toi. Ah tiens, moi, je... Attends, ouais, je peux pas aller voir pour le démoniaque pour faire l'armure. Je frappe, là. Tu peux me regarder pour le sandgun, c'est le truc que je voulais. 40 et 40... Putain, il me manque 5 toiles d'araignée. Tu peux regarder les clés sombres aussi? Tu sais que je peux pas, je frappe. Vous avez des toiles d'araignée? Regardez sur le wiki. Ah, d'accord. Allez mourir. On n'a pas de toiles d'araignée. Qu'est-ce que tu dis, chérie? Mais non. J'en ai foutu de partout des toiles d'araignée. Quelque part. Enfin, pas maintenant, mais j'en avais un gros stock à moins que je l'ai jeté par terre, je sais plus. Ouais, bah t'as dû jeter.
L'anon. Il a dit que ça servait en plus. Je les mets dans matière première d'habitude. Ouais, non, il n'y a rien. Oh, ce nombre de statues impressionnant. Les mecs, écoutez. Les clés de l'ombre sont trouvées rarement dans des coffres en or situés tout près des donjons ou près des donjons ou dans les donjons. Les clés de l'ombre sont utilisées pour ouvrir les coffres de l'ombre qu'on trouve dans le Underworld, l'endroit où il y a la lave. C'est l'enfer, quoi. Tous les coffres qui sont en enfer. C'est clés sombres. Vous n'en avez, oui, c'est ça. Et vous n'en avez besoin que d'une seule, contrairement à leur homologue clé en or. Ouais, je suis trop content en fait. Ouvre tous les coffres sombres. Ah bah oui, je suis con, c'est marqué en plus. Putain, je suis désolé, Bob. T'es refait. Et Sandgun. Ouais, bah je suis content, mais pendant, c'est, on va dire que c'est un profit à long terme, quoi. C'est juste refait. Ah, je suis refait. En plus, l'immeuble des trois royaumes est en train de monter. Tu cherches des os ? Il y en a deux. Non, l'étoile d'araignée. J'ai failli mourir. Il en manque 5. C'est la loose. Me fermez la parce que vous. Du coup, je repose tout. C'est quoi ça ? Fleur de feu ? Ah, ça, c'est un sortilège. C'est de la magie. Ah, c'est moi qui l'ai posé comme un con. Non, c'est marqué matériau. Ah. C'est quoi la fleur de feu qui balance genre du feu ? Putain, mais quand je vois tous ces os, je peux rien faire avec. Qui veut un sortilège ? Qui veut un sortilège de traîneau ? De traîneau ? C'est quoi ? Oui, tu veux faire de la mana ? Ça fait de la magie. Hop. C'est quoi ? Utilise le livre et fait de la magie incroyable. J'en ai déjà un livre. Oui, mais deux livres magiques. Oui. Ah merde. Et il fait le trade-off lui aussi ? Non, c'est mon fléau de démon. Ah bah oui, bah dans ce cas-là, prends-en deux, deviens magicienne, fais pas chier. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je range le stuff déjà. Mince, j'avais dit que je faisais quoi aussi ? Je vais créer la nouvelle banque de guildes, là, parce que celle-là, elle commence à devenir merdique. Ah oui, on a des coffres en rab déjà, parce que. Oui, faut... est-ce que tu veux utiliser le missile magique ? Missile magique ! Missile magique te permet, si tu laisses appuyer sur le curseur mais la souris est buggée, de diriger ton propre propre sortilège ou de l'envoyer en ligne droite, c'est comme tu veux. Bref, sois une petite fée et balance des choses magiques. Personne a du bois. Non, c'est celui qui l'a récupéré, rends-lui le missile. Mais je suis pas une petite fée, moi, je suis une petite fée, tu balances des missiles magiques. Will dit dans le coffre que tu checkes là, il y a du bois ou pas ? Moi j'ai du bois gel. Ah, c'est bon, c'est y en a pas là le aussi. Coffre du bois ça. J'ai du bois, du truc, parce que je vais commencer à créer la nouvelle la nouvelle banque de guildes gigantesque. Oui, j'ai longtemps entendu. J'ai récupéré. Ah, ta gueule. Voilà. J'ai besoin. J'ai énormément. Ok, avec quoi ça se fait ça ? Avec un four, je suis con. J'ai du lingot de cuir. Quoi cette merde ? Je peux pas faire de chandelier. What the fuck ? Les chaînes. Ah, c'est ça. Les lumières chinoises, ça se fait comment ? Avec de la soie et une torche. La soie, en ce moment, on en a pas des masses, hein, c'est ça ? Non, parce qu'il nous faut... Non, et je t'interdis de prendre l'étoile d'araignée. Pourquoi tu m'interdis ? Parce qu'elle en a. Moi, je les mets dans ma piggy bank. Elle en a besoin pour. Ouais, mais j'ai entendu. Il en manque 5 pour faire mon casque nécro. Ah, d'accord. Donc, pour la jouer perso, et après, on. Hein ? Putain, okay. Alors, vous foutez de la gueule. D'accord. C'est bon, je dis plus rien. Exact. Une fois que j'essaye de faire un truc dont moi j'ai envie, hein, vous allez pas me faire chier. Ça, tu vas le faire ta gueule. Mais c'est pour l'effectif commun, soit communiste un peu, là. Main dans ta chatte, et puis c'est tout. Là. Bon, ok. Voilà. Bon, mais tiens, je vais faire des petits réglages. L'objectif commun, j'ai fait un piano. J'ai sacrifié des os pour ça. Sacrifier des os ? Je suis pas sûr que le terme soit adapté. Si. Mes os. Tes os. Que j'avais gagné. Durement. À la sueur c'est de... C'est pas ce que tu m'as ramené tout à l'heure. C'est ça, elle était morte. Non, mais il faut arrêter la polémique. Moi, si je les amène, c'est pour qu'on les utilise. Hein. C'est pas pour les garder pour moi. Oui, mais le piano, je l'ai fait avec les os que j'ai gagné moi. Ah, polémique. De merde, là, encore.
Enfin, en ce moment, niveau polémique de merde, il y en a un paquet. Hein. Ah, ça va. Vous servez à rien. Tu peux parler. Je suis en train de décoller ta tour de folie, là. Merci, chérie, c'est gentil. Qui est l'équivalent d'une tour en cobble dans Minecraft. Exactement. Je vais tous vous faire. Moi, je m'en fous, je suis dans l'espace. Space. Ah, tu vas ouvrir un autre coffre ? Exactement. Regarde ce qu'il y a dedans, dis-moi ce qu'il y a dedans. Vous êtes prêts ? Coffre de l'ouverture, il y a un fer à cheval porte-bonheur, annule les dégâts de chute. De la merde. Oh, tu rigoles ? De la merde pour les noces qui est là. Je prends ça. Une grenade et shuriken, by the way. Et un coffre en or qui t'intéresse. Puis du nord qui t'intéresse, Dial. Alors, je suis occupé à la fondation de la nouvelle banque de guilde. D'ailleurs, je crois que ces deux objets sont combinables à la banque Goblin. Le cloud in a bottle, c'est-à-dire le nuage dans une bouteille, et le comment ça s'appelle le... Ah ouais, tu peux faire un truc. Tu peux fusionner, ouais, la bouteille, le nuage dans la bouteille et le. Trop bien. Le... Oh, regarde, je suis à vitesse maximale, tu vois. Sauf que là, je vole parce que je suis dans les Là, il va s'écraser, bah non. Trop pas, je m'écrase pas, moi j'ai trop de talent. Hein. Moi je suis dans la jungle. Eh, tu brilles. Attends-nous pour aller dans la jungle, sorry, mais avec toi. Ah, je suis pas raisonnable. Putain, mais il va tout piller, il est fini. Je vais mourir seul. Mais pourquoi j'ai pas d'atelier au moment où. Je pense qu'on a vidé le donjon en fait. Non. On n'a pas trouvé des armes, des trucs de fou à l'intérieur. Ouais, mais il me faut plus de vie encore sur le. Là. Oh, un coffre en or! Et une petite maison en or, regarde. Dead truc. Donc, on va reboucher cette merde là. Je disais, on va reboucher avec la neige. C'est pas le dernier pour Willy. Quoi? L'étoile d'araignée là, pour Willy. Ah cool. Donc, alors. Là, il n'y a rien dedans, j'espère. C'est bon, je peux le dire. Ah, au secours, il y a une abeille qui me viole la bouche. Je peux même pas avoir cette image en tête. Non, je vous jure, elle réussit en plus, c'est ça qui m'obsède. Il y en a encore des briques en argent. Une griffe sauvage, la vitesse de mêlée est augmentée de 12%. Aïe. Plus de défense en plus. Oh, je prends. Je prends les murs en or ou bien? Ouais. Quelle question. Date question quoi. Est-ce que je laisse les billets de 500 euros ou pas? La personne va peut-être venir les chercher. Putain, il va falloir. Et comme j'ai pillé son coffre, elle va pas être contente de toute façon. C'est vraiment trop leste quand même. Raisonnement de l'absurde. Je pille son coffre, mais est-ce que je lui laisse les murs en or? Mais sérieusement. Tu marques un point. Cet homme m'étonnera toujours. Alors ça, c'est bon. Première partie. Je suis sûr, ils font trop de dégâts ces frelons, quoi. En plus, ils tirent à distance, quoi. Ouh, j'en vois un autre. Alors, les coffres en or, là. Tac. Primo. Je vois un autre coffre, j'y vais. Exploration. Putain, ils sont sérieux là. En plus, il y a du fer, tu crois ça? C'est bon ça.
Bon. Willy, tu as des coffres sur toi? Non. Moi j'en ai un. Posé. Alors tu veux poser mes PO aussi, voilà. Tac, tac, là il n'y a pas de coffre. Là il y a 4 coffres en or et 2 coffres de merde. Rien, rien. Et dans ce coffre il y a une griffe sauvage. La vitesse de mêlée est augmentée de 12%, pardon. Tac, tac. Il n'y a pas de taf, je pense. Tout le reste va être très chiant à enlever. Voilà. Donc, lumière bleue. Tout ce qui est les minéraux, les décors rouges. Je vous crains pas, vous êtes que des guêpes, ah, je vous tiens. No comment. Ah, 57 de dégâts. 57 de dégâts à la seconde quand vous touchez les ennemis là-bas. Allez, ça rigole pas. We are not prepared. Exactement. J'ajouterais même que je suis prepared que oui. Cela dit, je suis pas une pute. Je vais répartir les ressources. La lune de sang se lève. Vous savez ce que ça veut dire? On ferme les portes et on se barilole. Ouais. Moi, il y a beaucoup trop de portes à fermer. La maison principale est protégée. J'aimerais bien savoir ce qu'il entend par maison principale. Maison de Pablenan. Non, non, j'ai fait la mienne en second. Ah non, mais comment il est passé là, lui? Oh, tu traverses les murs. Mais bien sûr. Il veut sa capuche en lapin. Je le mets sur le mannequin. Aïe. Ah, vas-y, il m'a rien donné. Ouais, ou quoi? Ah, si. Ah, mais non, c'est la mienne. C'est pas drôle. Je suis en train de faire les choses bien là. Tac. Moi, je vais fusionner deux de mes items complètement craqués. Le Claude in a Bottle et le Horseshoe. Mais apparemment, j'ai l'air d'être safe puisque aucun mob ne semble voir pénétrer dans ma maison. Trop haut de standard. Je m'insurge. Apparemment, la fer à cheval n'est pas fusionnable avec le Claude in a Bottle. En revanche, il est fusionnable avec un crâne d'obsidienne qui permet d'être insensible aux dégâts de feu. C'est la merde. C'est très 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 utile pour marcher sur la météorite. Et sur l'Hellstone aussi, accessoirement. Exactement, c'est donc absolument indispensable. Et j'ai donc un fer à cheval obsidien à pointe qui fait plus de 2% de dégâts. Bien. Il me reste des coffres de merde, c'est parfait.
attaque. Là, je sors le champignon. Hein? Ah merde, j'ai plus de bruit d'argent. Faut le nombre de zanzons qu'il y a dehors tout de même. Ça, c'est bien. Armes et armure. Là, exceptionnellement, deux en un. C'est une porte, là. Voilà. Donc est-ce que vous voulez que j'aille chercher du stuff complètement craqué en créant une nouvelle map et en utilisant les trois clés dorées sur les îles volantes? Ouais, non. Non, ouais. Franchement, ça casse un peu le truc, quoi. Ah non, moi je suis pour. Par contre, si tu veux aller dans la jungle... Il n'y aura pas assez de ressources pour nous trois, de toute façon, sur une seule map. Moi, perso, j'aurais déjà un reboot pour les météorites, les trucs comme ça. Oula. Les météorites, c'est aléatoire, de toute façon. Non, c'est pas aléatoire, c'est quand on casse les orbes démoniaques. Or, les orbes démoniaques, il n'y en a plus. De toute façon, la météorite, c'est pas vraiment ce qu'on a besoin. Là, il va falloir descendre en Hellstone. La L, et puis il y a la jungle. Et la jungle, je pense qu'on peut se la tenter. Après, dès que Wildy est motivé, il faudra lui filer une des armes que t'as trouvées. J'ai déjà fait ça. Okay. Motivé à quoi? Aller dans la jungle. Ah ouais, non, mais quand même. Donc... J'ai juste envie d'aller me coucher, je suis désolé. C'est pas grave, mais j'ai trois coffres en or. Non, mais là, on va peut-être arrêter la session, tout du moins recorded. Cela, ça continue, je vous rappelle. Ah, bah oui. Voilà, là, je vais placer une petite mine pour expliquer aux gens la façon dont je fais ma banque de guides. Oh, t'es même pas venu voir mon piano. Quelqu'un a lâché un arc devant le. Alors, démoniaque insupportable, impitoyable, pardon. Ah merde, c'est le mien, what the fuck? Parce que t'as foutu, mais je vais te le rendre, tiens, mais. Voilà. Voilà ton arc. J'arrive. Voici la nouvelle banque de guild. Alors, Bob, j'en profite, une petite explication. J'ai essayé de faire ça aussi tranquille que soit. Ah, merci. Alors, tu vois, là, la statue pioche, donc c'est tout ce qui est les minéraux, c'est rangé. Là, c'est facile. Alors, je dis non. Lance. Je dis non pour un détail à la con. Juste au début, c'est très bien pour le rangement. Cela dit, il me faut du bois et je peux faire des poteaux de bois sur lesquels tu peux accrocher tes lampes torches, enfin tes torches colorées. Ah, c'est trop bien.
Ouais, parce que ça, c'est un peu relou. Là, ouais, mais je... oui, bon, bah écoutez, ce sera modifié. Sinon, c'est excellent, les statues pour... Donc, les statues, là, c'est armes et armure, ici, et ici, c'est végétaux. Pour le moment, j'ai fait que ça. C'est cool. Là, je suis en train d'agrandir de l'autre côté, parce qu'on n'aura jamais assez de place sur une seule ombre. Et t'as déjà transféré, non? C'est juste les coffres. Ah non, là, c'est juste les nouveaux coffres. Oui. Ça y bosse. Voilà, bien. Voilà. Ouais, sur ce, on va peut-être quitter l'enregistrement, les amis. Exactement. Sur ce, les amis, j'espère que cette petite session vous a plu. À bientôt. Merci. Bye bye.